Donc je vais proposer une méditation en nature pour se relier à des bonnes choses, à des choses positives dans cette situation un peu difficile que nous vivons tous actuellement. Enfin, donc on est dans un bel espace ici de nature, au-dessus de Millau, au bord d'Écosse. Voilà. Et donc sur cette méditation, je suis parti de deux citations, de deux enseignements plutôt. Donc le premier est un enseignement de Jésus et le second est un enseignement de Bouddha. Donc c'est à partir de ces deux enseignements que en fait va se dérouler cette méditation et qu'on approfondira ensuite voilà, ces enseignements. Donc Jésus a dit dans le verset 5 de l'évangile de Thomas, tu connaîtras son avenir et ce qui est caché te sera dévoilé, car il n'est rien de caché qui ne se manifestera. L'autre enseignement est celui de Bouddha, dans le Dhammapada, c'est-à-dire les paroles de vérité. Le don de la vérité surpasse tout autre don. La saveur de la vérité surpasse toute autre saveur. La joie dans la vérité surpasse toute autre joie. L'extinction du désir vaine toute souffrance. Donc nous allons partir dans cette méditation sur ce qui est caché en nous et qui nous sera dévoilé. Et donc ça c'est par l'enseignement de Jésus et ensuite le don de la vérité qui surpasse tout autre don par Bouddha. Vous allez vous mettre dans un état de relaxation, de méditation, ainsi en lotus. La main gauche recueillant la main droite et les deux pouces en contact. Voilà, avec ces deux pouces de lumière qui se mettent en contact l'un avec l'autre. Et donc vous allez sentir l'énergie en vous qui se dépose, ce mental qui se dépose. Cette énergie, cette agitation qui se dépose. Voilà, pour aller découvrir ce qui est caché, qui nous sera révélé. Et la vérité est un don qui surpasse tous les autres dons. Donc les deux enseignements, celui de Jésus et celui de Bouddha. Alors avant d'aller découvrir la vérité qui est cachée en nous, avant de découvrir ce qui se cache en nous et que nous puissions l'accueillir, nous devons nous concentrer, nous devons nous relâcher, et nous intérioriser. Donc je viens poser le calme en moi, la détente, et donc pour commencer cette méditation je vous invite à faire le Om. Donc en partant bien du périnée, donc du chakra racine, vous remontez ce Om progressivement le long de la colonne énergétique, le long de la colonne vertébrale, en le faisant passer dans tous les chakras, en le faisant bien résonner dans le chakra de la gorge et puis en le faisant monter ensuite dans la tête, en terminant par le Om.
Alors, dans ce mouvement du Om, la respiration, bien sûr, se fait toujours par le nez. Donc, on expire par le nez, l'expiration se fait par le nez, par les deux narines. Et donc, on accompagne cette montée énergétique qui part du périnée, donc du chakra racine, et qui va remonter le long de la colonne vertébrale. Il faut bien percevoir la vibration à l'intérieur du corps et la résonance qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et on fait monter cette vibration le long de la colonne énergétique, le long de notre axe central. Alors dans ce mouvement du Om, dans ce chant du Om, il faut faire une bonne inspire avec le nez en gonflant bien la cage thoracique et le ventre. Et l'inspiration se fait en vidant les poumons et en vidant aussi en creusant le ventre. Faire un dernier home. Maintenant, nous laissons l'énergie agir, l'effet du Om et de la montée vibratoire, de la vibration dans le corps à l'intérieur. Et donc, on accueille cette vibration, on laisse se diffuser dans toutes les directions en nous, sur l'arrière, sur l'avant, sur les côtés, sur le bas, sur le haut. C'est comme si nous expansions, voilà, comme si nous devenions plus grands et que cette énergie nous dépassait. Et donc on est dans cette présence, ce ressenti où on va faire disparaître cet état de dualité, cet état de séparation entre nous et l'extérieur, entre nous et les choses qui nous entourent. Donc je dépose le mental en moi, au fond, je le dépose à la terre, je l'enracine au sol. Donc je sens bien l'énergie qui monte du chakra racine et qui remonte le long de ma colonne vertébrale.
Alors, la vérité dépasse tout autre don. Alors, quelle est la vérité que je peux apercevoir dans cet instant en moi? Ce que je suis. C'est ce que je ressens. Mais je ne m'attache pas à ce que je peux ressentir pour ne pas créer de séparation. Donc je suis ce que je ressens. Donc là, par exemple, je ressens le froid dans mes doigts, puisqu'il fait 5 degrés dehors. Donc c'est la vérité de l'état de conscience dans lequel je suis. Donc je peux chercher aussi d'autres états de conscience, d'autres perceptions et d'autres ressentis. Donc je laisse aller ma respiration. Et je vais inspirer, faire descendre le souffle du haut de la tête vers le bas du corps, vers le chakra racine. En expirant par le nez, j'inspire par le nez et je fais descendre le souffle. J'inspire par le nez et j'expire par le nez, je fais descendre le souffle du haut de la tête vers l'intérieur, vers le chakra racine. Dans cette expiration, je fais descendre la lumière en moi profondément vers ce chakra racine. Et cette lumière vient éclairer ce qui est caché en moi et ce qui va m'être révélé. Alors, qu'est-ce qui peut m'être révélé dans cette conscience?
Alors, il peut m'être mais révélé mes peurs, mes souffrances, mes douleurs ou d'autres choses. Et donc la lumière que je fais descendre éclaire par exemple mes peurs. Alors je recherche une peur qui se présente à moi et je l'observe. Cette peur qui apparaît dans mon mental, dans mes pensées. Donc je vais la dissoudre. Par le souffle. Donc je mets cette peur dans le souffle. Et donc je vais chercher l'énergie pour dissoudre cette peur dans le souffle. Et je vais chercher l'énergie dans le souffle avec une inspiration. Et avec l'expiration, je vais dissoudre cette peur en la mettant à l'extérieur. Je bloque mon expiration. Pour éloigner cette peur à l'extérieur de moi. Donc j'inspire à nouveau et j'expire cette peur à l'extérieur de moi. Je bloque le souffle. Pour observer cette peur qui se dissout à l'extérieur de moi. J'inspire à nouveau et j'expire cette peur à l'extérieur de moi. Je bloque l'expiration pour observer. Maintenant, à nouveau, par l'inspire, je me remplis de lumière et je vais faire descendre cette lumière par le haut de la tête jusqu'au chakra racine, par l'expire. Me remplis d'énergie, je capte la lumière que je fais descendre. Capte l'énergie, je la fais descendre. Bon, maintenant on a un bon exercice de méditation. Avec de l'agitation autour. Donc la vérité surpasse tous les autres dons. Et ce qui est caché en nous nous sera révélé.
Donc on accueille tout ce qui arrive en nous et tout ce qui accueille à l'extérieur de nous. Quand j'accueille les choses dans la vérité de ce qu'elles sont, je ne crée pas de séparation, je ne crée pas de dualité. Elles font aussi partie de moi. Donc, comme dans cet espace où on est visité par des curieux, j'accepte la présence de la curiosité, car c'est la vérité de l'instant, mais la vérité surpasse tous les autres dons. La vérité, c'est l'instant. C'est ce que je peux ressentir, c'est ce que je peux percevoir dans ma conscience, dans cet espace de conscience. Alors dans cet espace de conscience, je peux m'attacher au bout extérieur, aux visiteurs, aux curieux, mais si je suis en méditation, c'est pour aller chercher plus profondément en moi. Donc ce qui est caché me sera révélé. Donc je peux voir par exemple mon impatience, mon irritation. Mais comme je ne crée pas de séparation, de dualité, j'accepte ce qui est. Donc l'instant présent est un instant impermanent, donc tout évolue et tout change. Rien n'est figé. Alors, qu'est-ce que je peux aller chercher de plus profondément en moi ou dans l'instant? Donc ça, c'est la méditation. C'est aller chercher plus profondément dans l'instant. Donc dans cet instant, vu que je fais une méditation en nature, je peux me connecter à ce qui m'entoure. Au bruit, au son, à l'air, au froid, à la chaleur, au soleil, à la lumière, au vent, donc en me mettant dans cet état de conscience des choses qui m'entourent, de cette nature, je m'éloigne de moi, je ne mets plus de séparation entre moi et l'extérieur, je suis toutes les choses dans lesquelles je suis en conscience. Donc ce corps me permet de ressentir, de voir, de percevoir et d'accéder à la conscience. Donc la conscience, c'est l'espace que je perçois. Alors cet espace, il est infini, il n'a pas de limite, il est impermanent, il change et il évolue constamment. Donc si je dépasse mes propres limites, tout ce qui m'empêche d'aller au-delà de moi, je peux accéder à l'espace de conscience. Et je peux accéder à toute la conscience de l'espace. Donc
toute ta conscience de l'espace, c'est l'amour, c'est l'univers tout entier. Donc en me mettant en connexion dans cette nature, je ressens la paix de cette nature, la bienveillance de cette nature, l'amour de cette nature, la force, la stabilité de cette nature. Et je suis cette nature, je suis cet amour, je suis cette stabilité, je suis cette force, je suis cette beauté. Je suis toutes ces choses. Et plus encore. Donc la vérité, c'est cet instant, c'est ce que j'en perçois. Mais la vérité est beaucoup plus grande. Mais là, il me faut beaucoup méditer. Donc quand je suis dans cet état de présence, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace. Il y a un point. Et je suis ce point. Donc là, on va se focaliser sur ce point, comme si nous étions en équilibre sur une pointe. Et je reste sur la pointe, sur ce point. Je ne perds pas ma concentration de ce point sur lequel je repose. Et en me concentrant sur ce point, je deviens le point. Et donc en étant ce point, je suis partout et nulle part. En tout cas, je ne suis plus ici. On se laisse être sur ce point, sur cette pointe, comme en équilibre. Et on laisse aller les perceptions, les ressentis sur cette pointe, sur ce point. Donc je suis comme le Bouddha. En paix. Donc, je viens placer ce point sur le troisième œil. Pour me connecter au champ de conscience de l'univers. Donc je laisse entrer la conscience de l'univers à travers le troisième œil et je la laisse se diffuser en moi.
tout l'univers entre par le troisième œil et se diffuse en moi, dans chacune de mes cellules, à l'intérieur. Comme une fontaine. Et donc je sens cette énergie qui rentre et qui circule. Donc je me remplis de l'univers. Maintenant, tout ce qui est caché, qui a été révélé, a disparu. Et la vérité est le plus grand des dons. Maintenant que je fais rentrer l'univers par le troisième œil en moi, je me remets sur le point, en équilibre sur la pointe. Et j'observe. Je me mets sur ce point en équilibre et je suis ce point. Maintenant, nous allons terminer cette méditation avec des Om. Voilà. Maintenant, cette méditation est terminée. Je vous remercie. Om Namah Shivaya.